épisode 13 du walkthrough sur Beyond Good and Evil. Puis j'avais reçu ce mail que j'ai lu malheureusement en quittant le jeu, donc Johnny, double H, on a bien reçu vos clichés. Vous avez fait un travail exceptionnel. Rejoignez-nous au plus vite où vous savez. Voilà, c'est juste histoire que vous ayez tous les messages que j'ai reçus. Code des abattoirs, donc T5Q9. Bon. De toute façon, je le relirai avant de le retaper. Hop, c'est par là que ça se passe. Et on se casse des abattoirs. Allez, c'est parti. Alors, on est épisode 13, je suis pas superstitieux. On va quand même tenter la course numéro 4 en sortant des abattoirs. Allez, on va essayer l'impossible. Je suis deg, j'aurais pu faire ça en arrivant, ça m'aurait évité d'utiliser des pods. Oh, j'y crois pas, je suis vert. Je vais vomir. Non, c'est pas ça que je veux, c'est espace pour éclairer. Allez, on se casse de là. Oh. Je voulais sauter. Eh ben, j'aurais pas rage kit sur les abattoirs, j'ai failli. Le tableau qui m'a énervé là, j'ai failli rage kit. Et je ne l'ai pas fait. On est sur le bon chemin, la sortie n'est pas loin. Hop, donc j'avais dit que c'était quoi le code? T5Q9. T5. Allez. Ah, ça m'éclate ce truc. Bon, Q9. Le gouverneur prend vraiment des risques. J'espère qu'on pourra la remercier un jour. J'espère aussi. Alors, faut absolument que je pense là, c'est que quand on va sortir des abattoirs, on va avoir le serpent machin là. Il va falloir que je le prenne en photo ce coup-ci, que je n'oublie pas. Hein? Ah oui, c'est vrai, j'avais sauté par-dessus. Non! Ouais! Allez, on va tenter la course 4. Comme je disais, malgré qu'on soit à l'épisode 13, pour les superstitieux. Mais comme disait, il me semble que c'est Pierre Bellemare qui disait ça. Il faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Non, je me souviens plus du tout de ce circuit. Ouais, 7ème, allez. C'est la fête. D'accord, il y avait un feu ici. Non. Ah non, bah non, c'est déjà foutu d'avance. Je peux vous le dire. Oh. Pff. Bon. Ouais, deuxième tour, sixième, c'est mort. Même plus que mort. Oh ta gueule. Excusez-moi. Troisième. Oh, puis en plus je rate en plus le raccourci. Dernier tour pour le petit nouveau.
Ouais. Franchement, j'y crois pas trop. Je devrais peut-être y croire encore, mais... Non. Non. Allez, tenez bon, mademoiselle Jade. Non, tu déconnes. Bon. ouais, je confirme, c'est ouf, parce que j'y croyais pas. Même moi, j'y croyais pas, quoi. Donc, donc voilà. Ça, c'est fait. J'en reviens toujours pas malgré les grosses bourdes que j'ai fait au premier et second tour d'avoir réussi à gratter les deux premiers. Ok, bon, bah... Bon, résultat, il reste 13 minutes au chrono. Ben, on va retourner à... Au quartier peut-on... Ah non, oui. Voilà. Il attaque les bateaux. Il faut les défendre. Alors là, c'est chiant. Là. Non. Hop. Non, allez. Ne lâche pas d'une semelle. Voilà, je l'ai eu. C'est bon. J'ai archivé le cliché. Alors là, en gros, comment? Faut le poursuivre, sauter et tirer. Ce qui est, vous vous en doutez, très chiant avec un ordinateur portable. Eh merde! Oh, c'est pas vrai. Hop, je vais repasser par dessus là. Et la caméra qui fait n'importe quoi parce qu'elle s'oriente vers le monstre. Nope. Oh, attends, il me touche à chaque fois. Mais saute et tire. Attends, je suis en train de... Je suis con. D'accord, en fait c'est ça qu'il faut faire. En fait, faut y aller avec le canon neutralisant. Oh non 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 non, crève pas de l'autre côté, je veux t'avoir comme ça. Bon. Oh putain, mais la caméra qui fait encore n'importe quoi. Voilà. Il est mort du bon côté ou du mauvais là, parce que j'ai pas envie de ressauter par-dessus la barrière. Non, c'est bon. Ok, allez, c'est parti.
5 perles. Pour continuer le jeu, je crois qu'il m'en faut une vingtaine. Salut Jade, petit rappel, ma perle fétiche est toujours en jeu. T'as peur de te faire laminer, hein? Rendez-vous au bar si tu veux prendre ta pâtée. Avec le petit smiley qui va bien. Bon, ouais, alors le jeu en question là de... Bon, écoutez, moi je vous propose un truc. C'est une autre activité. On va aller par là. Alors la première je l'avais faite lors de ma partie que je n'ai pas filmée. La deuxième, le deuxième je l'ai pas fait. Attention mademoiselle Jade, des pillards. Et ne les laissez pas s'enfuir mademoiselle Jade. Donc le premier là c'est... C'est vraiment que du parcours, il faut pas tirer dessus, ça sert à que dalle. Et merde. Non, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. Vite, la porte... Oh. Bon, on recommence. Attention, oh, j'ai juste... J'ai juste percuté un truc. Ça va, c'est qu'on repaye pas vraiment à chaque fois, quoi. Ne les laissez pas s'enfuir, mademoiselle Jade. N'importe quoi, moi. Faudrait peut-être que j'accélère. Ouais. C'est l'étincelle qui déclenche la fermeture des portes. Juste à temps. Par contre, la grotte numéro 2, je la connais pas du tout. Je l'ai jamais... Je l'ai jamais essayé. Alors je sais qu'il y a des caisses mais tirer en fait ça nous ralentit. Donc on va éviter. Allez, c'était la porte numéro 2. Il reste plus qu'une porte. Petite perle. Voilà, puis on ressort automatiquement. Voilà, c'était juste histoire de récupérer une perle. La seconde grotte, franchement, c'est parce que je la connais pas, donc on va éviter. J'ai pas envie de faire perdre du temps. On va aller au quartier piéton. Voilà. C'est bizarre, frappe se tourne à 30 fps là. J'espère que ça le fera. Pourtant j'ai rien qui tourne derrière. Enfin si, le plot sur YouTube, mais je veux dire... Firefox ça prend pas tant d'espace que ça, enfin de...
Jade, double H, vous tombez bien. Nous vous attendions. Il y a quelqu'un qui tient à vous rencontrer personnellement. Madame le gouverneur, permettez-moi de vous présenter notre... Oui, nous nous connaissons déjà, par email. Sachez que votre aide nous a été précieuse, gouverneur. Je crois que sans les codes, on n'aurait rien pu faire. Je suis ravie de pouvoir faire enfin ta connaissance, Jade. Tes reportages ont eu beaucoup d'effet sur la population. Encore un petit effort, et je suis certaine que nous pourrons compter sur le soutien de tout Illys pour chasser les sections Alpha et les Doms. Tiens, ceci te sera utile pour continuer le combat. Merci. Ça nous aidera à retrouver ceux qui ont disparu, s'il n'est pas déjà trop tard. Ok, y était la garde. Le chef, il est vivant. C'est incroyable. Votre chef, il avait disparu? Enlevé par les sections Alpha. Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Marcassin appelle Iris. Marcassin appelle Iris. Mais c'est mon oncle, Paige. Ton oncle? Notre chef? Il communique toujours avec vous par radio? Sécurité oblige. Jusqu'à ce jour, personne ne connaissait son identité. Paige, c'est toi? Il ne peut pas t'entendre, Jade. Taisez-vous tous, il va rappeler. Plus un bruit. Marcassin appelle Iris. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils sont partout. Ils m'ont embarqué sur la Lune. Voilà mes instructions. Communiquez ce message à Jade, votre nouveau reporter. Jade, lis le M10 que je t'ai laissé et trouve le vaisseau. Lis le M10 qui trouve. Ils arrivent, Jade! Il t'avait donné un M10? Juste avant de se faire prendre. Écoute, Jade, ce vaisseau est providentiel. C'est l'élément qui nous manquait pour notre plan. Si tu le trouves, nous avons une chance de réussir. Paige est prisonnier sur la Lune, probablement avec toutes les autres victimes. Il faut aller là-haut. Nino a une idée, il va nous l'expliquer. Ils utilisent un émetteur longue portée pour diffuser leur propagande depuis la Lune. On pourrait vraiment frapper un grand coup en diffusant tes reportages sur leur propre écran, via l'émetteur lunaire. C'est un excellent plan. Vous trouvez le vaisseau de Paige, vous allez sur la Lune, vous bouclez le reportage, vous prenez le contrôle de l'émetteur, vous diffusez le reportage, la population se soulève... Et c'en est fini des sections Alpha. Et qu'est-ce qu'en pensent Carlson et Peter? Ils disent que c'est de la folie pure. Mais moi, je dis que c'est du gâteau. Ouais, un lundi comme les autres, quoi. Trouver un vaisseau, aller sur la Lune... Ouais, un lundi comme les autres. Bon. Non, mais sérieux. Bon. Alors, là, vous allez voir ce que je reproche au jeu. C'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Voilà, alors près d'une dizaine de perles, c'est ça, un peu plus même, d'un seul coup. Donc en fait, là moi ce que je ressens, vous voyez, c'est que quand on lit, enfin quand on connaît un petit peu le truc, c'est que le jeu a commencé à être développé en 99, qu'il est sorti en 2003, et en fait, à mon avis, l'équipe de développement s'est dit, ça serait peut-être temps qu'on sorte ce jeu, on va accélérer un peu la fin. Voilà. Moi c'est l'idée que ça me donne, quoi, le fait qu'on récupère comme ça maintenant des perles à foison en une mission, quoi. Bon, donc les terroristes du réseau Iris ont porté des accusations diffamantes contre les sections Alpha. Les prétendues preuves, diffusées dans leur journal clandestin, sont des photomontages grossiers. Shoni, en attendant la sortie du prochain numéro d'Iris, si tu as du mal à te procurer des perles, passe chez Mingtsu, près de la fontaine. Il vend un détecteur spécial perles. Shoni. Ouais, non, c'est bon. Bon, le chrono vient de me dire que c'est la fin, donc en fait, bon, ben, la plus grosse partie de l'épisode, ça aura été le... Ben, la petite histoire, la petite mission à suivante, donc voilà.
Et bah, on va sauvegarder. Et puis bah, je vous dis rendez-vous à l'épisode 14. Que ouais, vu l'heure, et ben je vais peut-être le tourner à la suite. Je vais voir l'espace qui me reste. Sinon, ben à bientôt.